Lévitique au chapitre V. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Lorsque, ne le sachant pas ou le sachant, il touchera une souillure humaine quelconque, il se rendra coupable. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, ou en y prenant garde, s'exprimera légèrement des lèvres et jurera de faire du mal ou du bien, de quelque manière que ce soit, il se rendra coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Oui, donne-nous de toujours confesser nos péchés les uns aux autres, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et de pouvoir être de bons témoins, Seigneur. De ne pas être de faux témoins. Amen. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il l'apportera en offrande pour son péché, un dixième d'effa de fleur de farine, comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus, il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir. Il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. L'Éternel parle à Moïse et dit, Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel, pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau, d'après ton estimation, en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité. Et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un pêchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir et lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parle à Moïse et dit, Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mettant à son prochain en mentant, pardon, à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée, ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée, ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Seigneur, garde-nous du vol ou du mensonge, Seigneur. Tu as dit que celui qui aime son prochain ne commet ni l'une ni l'autre de ces choses. Amen. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième et la mettra à son propriétaire. Le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité, il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Amen.